Bonjour et bienvenue à la machine. Je suis Jean-Claude Loriot, vice-président de la communauté de communes entre Loire et Forêt, en charge de tout ce qui est tourisme et culture. Alors, vous vous trouvez actuellement au musée de la mine. C'est une composition de trois éléments. Donc, le musée proprement dit, qui retrace la vie du mineur avec des éléments tels que des photos, des documents, des outils et des mises en scène dans des galeries. Ensuite, une exposition temporaire tous les ans organisée par la conservation départementale. Le troisième volet, c'est donc la visite de la mine Images, donc une mine qui réutilise les sites qui existaient lors de l'école de formation des apprentis, donc des Galibots. Et cette visite est unique en France de par son caractère, son déroulement, c'est-à-dire que le visiteur va se trouver emmené sur le lieu de travail exactement dans la même condition que les mineurs. C'est un ensemble qui se réalise avec des guides, avec des groupes, et certains groupes bénéficient des conseils et des explications d'anciens mineurs. Alors donc, sorti du musée, vous pouvez aussi vous rendre à Saint-Léger-des-Vignes par la véloroute qui emprunte l'ancienne voie ferrée du chemin de fer de la mine. Et vous arriverez au Thouar, un centre d'interprétation. Donc le Thouar, c'était un bateau remorqueur. Il y a une exposition aussi avec la vie des mariniers, le matériel employé.